l'occasion donc de cette nouvelle édition Avignon 2023 avec paysturdolaire.tv, nous sommes allés à la rencontre de quelques perles et je pense notamment à cette belle pièce que nous avons vue hier soir, La couleur des souvenirs par Fabio Mara, qu'avec paysturdolaire nous suivons depuis un moment. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous un invité, j'ai envie de dire un invité d'honneur. Bonjour Dominique Pinon. Bonjour. Dominique Pinon, bien connu notamment pour ses interventions au cinéma, à la télé. Alors comment on passe du cinéma au théâtre, du théâtre au cinéma, Dominique ? J'ai toujours fait une carrière assez parallèle au cinéma et au théâtre, donc pour moi c'est un peu la même chose. En tout cas, dans La couleur des souvenirs, dont je rappelle une pièce de Fabio Mara qui se joue actuellement à Avignon, mais qui est vouée à tourner, nous avons découvert Dominique Pinon dans un rôle, j'ai envie de dire presque un rôle ingrat. On peut parler de votre personnage ? Oui, je joue un vieux peintre qui s'appelle Vittorio, un peintre qui vit principalement en faisant des faux, qui est en cheville avec un galériste, etc. Mais c'est surtout les rapports de famille, comme dans beaucoup de pièces de Fabio, qui sont décrits ici entre un frère et sa sœur aînée. En effet, je retiens notamment que vous avez horreur qu'on vous appelle Vito, voilà. Que votre fils refuse, que vous refusez à votre fils de vous appeler papa. Oui. Enfin bon, il y a une ambiance, c'est électrique, oui. Mais il y a quand même des points d'humour qui relancent un peu et qui vous détendent pendant le spectacle. Ça, c'est l'écriture de Fabio qui est très belle, qui passe sans cesse du rire aux larmes et en passant par le sourire. J'ai envie de dire, on allait oublier, c'est en fait le oui. Thème de la pièce, c'est donc cette maladie qui affecte Vittorio et qui, disons, une maladie qu'il refuse d'ailleurs et qu'il essaie de cacher à son entourage. Voilà. Et je trouve qu'on est à la limite du drame, mais avec toujours ces moments de respiration qui sont parfaitement bien amenés par l'auteur. Voilà, justement, paradoxalement, c'est cette maladie qui va l'amener à, presque à l'amener à changer de comportement avec sa sœur. Et tout à fait. Voilà. Quand l'ophtalmo t'a examiné, il s'est rendu compte que tu avais un problème de... C'est pour ça que tu tombes. Ta vue a baissé, c'est l'âge. La vie désordonnée que tu mènes, tu manges mal, tu as besoin d'une paire de lunettes. Je lui ai dit 1000 fois de porter des lunettes. En plus, il peint toute la journée. Mais comment tu fais pour voir ? Je vois très bien. Et puis, il manque de la matière peindre par-dessus. Va lui donner plus d'épaisseur. Ah, regarde, là, tu vois ? J'ai réussi à les avoir à un bon prix. C'est des pinceaux de très bonne qualité, avec des poils de Martre Kolinsky. Tu es content ? Oui, très. C'était quoi l'œuvre ? Un tableau ? Tu es sûr qu'il s'est remis à manger ? Oui. Il paraît même qu'il essaie de peindre à nouveau. Donc, une très belle pièce de Fabio Mara, La couleur des souvenirs, avec Dominique Pinon, et qui n'est pas seul à jouer, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler des autres comédiens ? Oui, bien sûr. Il y a Sonia Palo qui joue ma mère, Fabio, donc Mara, qui joue mon fils, Catherine Arditi qui joue ma grande sœur, Aurélien Chaussade qui joue le galériste qui en suit avec moi pour vendre mes faux, et puis Floriane Vincent qui joue la fille de ma sœur, voilà. Et on peut aussi, notamment pour cette pièce, je crois, évoquer la mise en scène qui est exceptionnelle, oui. Avec l'utilisation de projections, mais non pas à haute dose, mais oui. Vraiment d'une manière très délicate, comme sait le faire Fabio, je crois. Et puis, elle aide beaucoup à la fluidité de la mise en scène. Il y a le décor est fait d'éléments de blocs, comme ça, qui roulent, et la vidéo permet d'agrandir le décor, En tout cas, nous avons passé un excellent moment donc avec cette pièce, je le rappelle, La couleur des souvenirs, proposée et écrite par Fabio Mara. Et jouée, c'est vrai, ne l'oublions pas, avec donc Carazone Teatro et vous-même donc dans le rôle principal. Merci Dominique Pinon de vous être joint à nous. Et merci à vous, Pays Pur d'Olaire, de nous suivre partout où nous allons avec de beaux événements.